Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Adrian, on se retrouve pour les quêtes de la semaine 8 de Fortnite. Alors, première quête, donc acheter des armes ou des améliorations d'armes. Alors, tout simplement, si vous voulez acheter des armes, faudra en trouver dans les distributeurs. Et les améliorations, il y en a à peu près partout. Donc moi, je vous amène ici parce que je sais qu'il y en a ici à 100%. Il y a quelqu'un. Ok, il y a quelqu'un, c'est ce que je pensais. Déjà, on élimine les gens avant d'acheter. Une amélioration, il y en a une ici. Ah, ça attaque mon bot. Ok, dégage. Voilà, nickel. Donc, au pire des cas, si vous avez, vous voulez acheter plutôt... Enfin, pas acheter d'armes, mais plutôt des améliorations. C'est ces petits ateliers qui sont ici. Vous le faites 3 fois ou moins, selon si vous avez acheté une arme avant dans un distributeur, pour valider votre quête. Ensuite, donc cette fois-ci, il faut fouiller des contenants. Fouiller des contenants, donc c'est les boîtes de munitions, les coffres, tout ce que vous pouvez ouvrir est considéré comme une boîte de contenants qui vous permet tout simplement... d'obtenir munitions ou les coffres qui vous permettent d'obtenir des armes. Parcourir la distance en sprintant en étant sous l'effet du slap. Le slap, c'est une sorte de jus de fruit que vous pouvez trouver sous forme de bouteille, sous forme de splash ou sous forme de tonneau. Il faudra parcourir, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 500 mètres. Il faudra parcourir une bonne distance pour pouvoir ensuite valider la quête. Mais voilà, vous en trouverez à peu près n'importe où les bouteilles, soit comme ça par terre, soit dans les coffres. Voilà. Tout simplement, voilà, vous avez vu, il y avait ces tonneaux-là donc qui permettent de voir du slap. Ensuite, il faut chevaucher donc un animal sauvage et parcourir une certaine distance. Ça marche avec les sangliers. Ça marche avec les loups et les raptors, donc les petits dinosaures. Et avec eux, il va falloir donc parcourir 200 mètres. Donc vous voyez, c'est assez rapide. C'est ça que plutôt que je voulais dire. J'ai cherché le mot. Ensuite, là, éliminer des joueurs avec des armes de niveau rare ou supérieur. Niveau rare. C'est bleu, supérieur, donc ça va jusqu'à du violet épique, légendaire, etc., etc. Il faudra en éliminer 5. Allez, voilà toi, au revoir, pour pouvoir valider votre quête. Ensuite, donc celle-ci. Il va falloir donc infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet. Je sais pas si le pistolet titanesque marche... Mais le petit pistolet tactique, lui, marche à 100%. J'ai pas eu le temps de trouver ou de pouvoir tester ça. Mais je pense que tant qu'il y a marqué petit pistolet, donc le pistolet titanesque, ça doit marcher. Et voilà les amis, une fois que vous aurez terminé ces petites quêtes, vous aurez tout terminé. J'espère que cette petite vidéo Solus vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Dansez avec moi et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.